On n'a plus l'habitude des fils avec les niveaux. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux à ce concert ce soir, qui est pour nous notre dernier en territoire belge de notre tour. C'est le quatrième qu'on donne depuis 10 jours, 12 jours maintenant. Nous sommes donc le cœur de mon cœur, cœur qui vient de Suisse. Alors, si tu as un peu la Suisse, on vient de la partie ouest de la Suisse francophone. Si vous visualisez Berne et Lausanne, on est à peu près à mi-chemin. On est plus proche du Jura que des Alpes, voilà, au niveau montagne, la plaine plutôt. Ce cœur a plusieurs particularités. La première, c'est que vous remarquerez qu'il est réservé à des jeunes âgés de 15 à 30 ans maximum. Voilà, c'est vraiment un cœur. C'était dans la volonté de son fondateur en 1981, pardon, 81, de faire un de ce cœur qui est un peu formateur. L'autre particularité, vous le voyez, c'est qu'on agrémente en fait toutes nos chansons de mouvements, voilà, qui accompagnent les chansons, qui leur donnent vie, on va dire, par différents moyens, mouvements de bras, etc. Vous verrez un petit peu une palette de plein de choses aujourd'hui. Nous avons commencé notre programme avec donc un titre de Coldplay, intitulé A Sky Full of Stars. On va enchaîner avec les deux chansons suivantes, avec tout d'abord ce qui a été la chanson qui a révélé Mika au grand public de son premier album, Grace Kelly, mais dans une version française, adaptée par Mika lui-même quelques années plus tard, après la sortie de ce titre. Ensuite, on fera un retour dans les années 80 avec le fameux Sweet Dreams de New Orleans. Thank you.
Merci beaucoup. Dans la suite de notre programme, on va rester un petit moment dans la toute fin des années 80 avec le fameux Ella Ella de France Gall. On enchaînera avec quelque chose de beaucoup plus récent du groupe américain Bastille, une chanson qui s'appelle Pompéi, inspirée un peu de cette tragédie antique. Et si vous avez le programme, vous avez une chanson un tout petit peu particulière qui suit derrière, du groupe Alios. Alors Alios, c'est un duo composé donc d'un homme et d'une femme qui vient de Suisse, plutôt de la région lémanique, voilà, qui sont un duo autant sur scène que dans la vie aussi. Ils sont mariés depuis plusieurs années. Il fait partie des artistes romans qui comptent, on va dire, en Suisse. Et on va vous interpréter donc une de leurs chansons en tant qu'un peu ambassadeur de la musique suisse aussi, voilà, qui s'intitule Oui, 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 et qui raconte un petit peu, on va dire, peut-être au bout de plusieurs années de mariage, quelques travers de couple qu'on peut identifier à ce moment-là.
Merci beaucoup. On ne pouvait pas venir en Belgique sans rendre un hommage à la chanson belge. C'est bon. Mais il y en a tellement de bonnes chansons et de grands artistes belges qu'on a décidé de les réunir dans un medley. Hein. On a choisi 7 chansons qui nous paraissent faire un joli panorama d'artistes belges du passé, mais aussi du présent. Voilà. En espérant que ça va vous plaire, on va dire, notre interprétation de la musique de votre pays. Voilà. Avec ce petit medley belge. Voilà. Thank you.
terre sur un grand terrain. Qui sait qu'est-ce qui saigne pour rien comme un chien humain. La seule fois que je suis vrai, c'est celle de
Thank you.
comme ça. Vous imaginez bien qu'un voyage comme le nôtre de 12 jours en pays étranger, ça ne s'organise pas tout seul, bien à l'avance. C'est pour ça que je vais céder la parole à celle qui a présidé le groupe qui a organisé ce voyage. Parole à Delphine. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme l'a déjà expliqué Fabien, nous venons donc tout droit de Suisse, d'Estavayer-le-Lac, et on a commencé à préparer ce voyage il y a maintenant 2 ans, donc fin d'année 2022. Et évidemment, un voyage comme celui-ci, ça ne s'organise pas seul. Nous étions 5. Je tiens donc à remercier toute mon équipe, mon vice-président Florian Breguet.
Voilà, on a encore une chanson qu'on peut vous chanter encore. Celle-ci, alors, si vous prenez l'envie de chanter avec nous, de danser, peut-être pas de danser, mais de taper dans les mains, voilà. Oui, c'est une chanson en français, celle-ci, de 2021, si je ne me trompe pas, au 22, de Juliette Armanet, qui s'intitule Le dernier jour du disco, dans lequel vous aurez l'honneur d'entendre Lucie en soliste. Sur le côté, certains les ont vus, d'autres moins. Ce sont donc quatre musiciens. Au clavier, Anthony Bise.
ensemble, enfin voilà, et eux aussi vont fouiller vers d'autres horizons. À la guitare, Ivano Vendès. Nous allons lui chanter et vous chanter une chanson de Jean-Jacques Goldman, dans laquelle on a un petit peu remanié les paroles, et au diapason de ce que représente le cœur de mon cœur pour nous, cette chanson s'intitule « Famille ».
arrive. Je suis pas triste en fait, parce que je sais que quand je vois cette équipe là, en fait, l'accueil va continuer, et puis je vais le voir en fait. Je suis très heureux que ce soit vous qui soyez là du cœur à mon cœur finalement, parce que je sais que ça va continuer, que ça va continuer bien. De Rose, je crois que ça se passe comme ça. Voilà. C'est une chanson qui se met en place. Alors, c'est une chanson qui fait partie de notre répertoire qu'ils ont été d'accord d'apprendre, finalement, comme ça là, qui est tirée d'une comédie musicale qui s'appelle Mozart, l'opéra rock. Et c'est une chanson qui a un joli succès à la sortie de cette comédie musicale, qui s'intitule La Symphonie.